Pour tous les connaisseurs de Wuthering Waves, vous devez connaître la tour éprouvante. Il s'agit en réalité du endgame. Donc pour un joueur free-to-play, accrochez-vous quand même. Il s'avère que c'est relativement difficile, vous allez avoir plusieurs successions de niveaux, et pour chacune des successions, vous ne pourrez utiliser que ces trois personnages-là. Il faut savoir que chacun d'entre eux en soi aura une limite. Ce qui fait que pour un joueur free-to-play, ça peut rapidement être très compliqué parce que il peut arriver que vous n'ayez pas forcément les bons personnages, les bonnes teams. Donc oui, ça peut être problématique. Mais vous allez voir que pour mon cas de figure, c'est un petit peu différent. Parce que si on regarde les résonateurs, on peut constater rapidement que j'ai eu une chance insolente, et c'est pas une blague, puisque j'ai pratiquement tous les personnages 5 étoiles du jeu. Que ce soit donc Camélia, la gardienne du littoral, Gigi, Shangli, Zhangliao, mais lui était donné. Donc là, il s'agit du personnage permanent. Jiyan également, Yinlin, encore. Voilà, donc les autres sont des personnages qu'on peut obtenir bien plus facilement. Mais donc, tous les 5 étoiles ont été obtenus. Ou presque, parce qu'il me manque quand même Jinxi, qui est relativement forte. Et en regardant dans le sac à dos, même au niveau des armes, j'ai été chanceux puisque j'ai obtenu pratiquement tous les styles d'armes 5 étoiles, excepté l'amplificateur. Mais on voit que j'ai obtenu les gantelets en TC, l'arme en TC du Laperma, l'épée en TC de Laperma, l'arme de Jinxi, l'arme de Shangli, ainsi que l'arme de Camélia. Ce qui fait que malgré tout, cela sera une aide considérable. Je vous propose que sans plus attendre, nous attaquions ces différents étages et advienne que pourra. Un dernier petit détail également qui peut avoir son importance, eh bien l'optimisation sera de mise. Donc si vous n'avez pas de bons échos sur vos personnages, ça aussi, ça peut vous porter préjudice. Donc à partir de maintenant, vous voyez, il est possible de choisir l'une des différentes voies. Donc il faut bien comprendre une chose. C'est que si on utilise des personnages, donc trois personnages ici, pour cette voie-là, ils ne seront pas réutilisables ici. Et tous les personnages qui seront utilisés là ne seront pas réutilisables là. Après, il existe une petite stratégie qui peut fonctionner. C'est qu'en fait, vu que les premiers étages sont faciles, vous pouvez mettre un seul personnage pour faire le niveau. Et là également, comme ça, cela vous libère des slots et plus de personnages pour la suite. Donc, moi, ce que je vais faire immédiatement, c'est-à-dire je vais me casser les dents. Je vous montrerai uniquement les passages réussis. Ça sert à rien que vous voyez tous les rushs ratés, ça n'aurait pas vraiment de sens. Et bon, je ne pense pas forcément faire le high score partout, mais c'est quand même ce que l'on va essayer de faire. Et ici, on va utiliser donc des teams surpuissantes parce que c'est la partie la plus dure. En l'occurrence, la team la plus forte que j'ai à l'heure actuelle. Je vous garantis que celle-là, elle a un sacré potentiel, elle va vraiment piquer. Mais comme les changements là ont été faits et que c'est plus les mêmes ennemis, je vous avoue que je sais pas du tout à quoi m'attendre. Let's go. Bon, on se concentre.
Bon, c'est passé. À pratiquement à la seconde près. Je vous dis pas à quel point c'était dur. On va maintenant s'attaquer à celui-ci. J'ai bien peur que ce soit encore pire. Ouais, mais bon, let's go. Ouais, c'est passé. Eh ben yes. Voilà, donc j'ai fait le high score sur la partie la plus dure, la tour imprévisible. Il reste les deux autres côtés. Mais en vrai, il y a encore moins de chances que je réussisse parce que, bah, déjà ce côté-là, on a cette partie-là. Et j'ai pas vraiment de team très forte pour gérer ce genre de choses. Vu que le bonus de dégâts invoque, eh bien. C'était utilisé au centre. Et là, éventuellement, on pourrait utiliser une team avec Gigan. Mais là encore, je suis pas sûr de réussir à faire le escort. Ce qu'on peut éventuellement faire d'entrée, hein, c'est genre un perso qui pourra faire les étapes en solo. Et voilà, comme ça. Voilà, donc les premiers étages, c'est assez ridicule. Suivant. Pareil. Thank you.
Et voilà. On peut faire exactement la même chose ici pour aller vite. Et voilà, le tour est joué. Alors, maintenant, ça va passer tout seul. Et ben, yes, impeccable. Donc, déjà, vous avez vu qu'avec juste une team forte là et un seul perso pour les deux côtés, on a fait 12 points avec un seul perso. Mais ce qui reste, c'est dur. Ce qui reste, ça va être dur. Donc, ça, je suis sûr de le passer, il n'y a pas de problème. Et celle-là aussi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ça va passer tout seul, mais celle-là sera dure. Donc je vais stuff rapidement Mortefi parce que sinon ça ira pas et on se retrouve juste après. A few moments later. Ok, c'est passé même très facilement. On attaque le dernier niveau. Alors là, je pense même pas faire tous les points. Mais bon, on va tenter de faire le plus de points possible quand même. Bon, on se concentre. Bon, estomber, c'est hyper dur. Je pense qu'on va faire un point partout et ça va le faire en fait.
On va tenter de faire au moins un point. Alors, est-ce que ça compterait vraiment pour... Voyons voir. En fait, c'est même pas la peine parce que même si je le réussissais, j'aurais pas assez de points. Cela dit, ça me déverrouillerait l'étage au-dessus. Bon, ça peut être intéressant. Sauf que là, il va me falloir une team très spécifique. Donc, je fais cette team, on se retrouve juste après. A few moments later. Allez, c'est parti pour celui-là. Je sens que ça va être infâme en termes de difficulté. Mais tentons quand même. On va jouer Shangli avec le héros. Le mieux aurait été encore, mais j'ai pas fini d'upgrade le perso. Allez, c'est parti. Bah, en termes de timing, c'était très très loin de passer, mais au moins j'ai réussi à le finir. Voilà, ça donne beaucoup de récompenses, ce qui sera vraiment très utile pour la progression, que ce soit donc les astries, enfin pour invoquer, et davantage de ressources avec les triangles bleus. Et après, bah, si vous vous en sentez capable et que vous avez la puissance nécessaire, vous pouvez vous attaquer à cet endroit avec la tour résonante, tour imprévisible et tour écho. Là, je vous dis pas, bien qu'en fait, non, j'ai l'impression que c'est unique. Parce que on dirait bien que le score ici a déjà été mémorisé, ouais. Toute la différence. J'ai l'impression qu'en vérité, ça, on peut le faire qu'une seule fois par rapport à la dernière fois. Et enfin, la zone expérimentée, on peut à nouveau la faire autant qu'on veut. Comme on peut voir en haut à gauche, on a l'actualisation dans tant de jours. Et si maintenant on fait revenir et qu'on va à la zone surchargée, on voit qu'il n'y a pas de limite de temps. Alors petit verdict, on a pu se rendre compte que en free-to-play, même en ayant beaucoup de chance sur les différents persos ainsi que les armes, si on n'a pas vraiment les personnages God tier, notamment Jinxi, que j'aurais peut-être dû aller chercher en fin de compte, dans certains cas ça m'aurait peut-être aidé à faire enfin à faire le high score, et peut-être également Danji si j'avais amélioré le perso à balle pour le côté Avog et Jinxi sur le côté droit. Il est probable que j'aurais pu faire le high score et donc gratter un petit peu en termes de ressources. Peut-être qu'il y a moyen d'aller même chercher le 27e histoire de. Mais bon, là je vais pas forcer pour le coup. Mais voilà, déjà ça vous donne une petite idée de ce que l'on peut faire sans débourser un rond en fin de compte. Et je trouve que c'est finalement déjà pas mal. Et pour tout le reste du jeu, normalement il n'y a pas de problème, hormis peut-être les hologrammes, mais là accrochez-vous. Donc là pour le coup, ce sera pas forcément une question de team spécifique, bien que en l'occurrence vous pourrez utiliser toujours la même relativement puissante que vous avez, et donc normalement ça devrait passer, vous pourrez pratiquement tout faire. Ceci marque la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours et on se dit à la prochaine. Allez, ciao, bye.